Bonjour Emile, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez dans le décor, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Halloween. Je vais changer à bras calabra. Ah, c'est mieux. Donc, aujourd'hui, on va faire une vidéo maquillage d'Halloween. C'est parti. Nous allons commencer par poser la pâte à cicatrice. Vous retrouverez le tuto dans une autre vidéo. N'hésitez pas à bien travailler la pâte. Je ne l'ai pas fait là, mais je vous conseille de mettre de la colle à postiche avant de poser la pâte. Puis il faudra bien étaler la pâte pour essayer au maximum qu'elle se fonde à la peau. Je vais passer à l'autre côté et je vais faire exactement la même chose. Bon, c'est pas parfait, mais je suis loin d'être professionnelle. C'est une vraie galère. Ensuite, je vais tamponner du maquillage blanc sur tout le visage. J'ai fini de faire le teint en blanc, maintenant je vais maquiller sa paupière en noir. Avec un petit crayon noir, je vais maquiller le dessous des yeux. Maintenant, je vais découper un petit peu la cicatrice, essayer de la mettre en forme. J'avoue, le résultat n'est pas ouf. Je vais appliquer du faux sang, pareil, fait maison. Je vous mettrai le tuto dans une prochaine vidéo.
Avec le faux sang, ça donne un petit peu mieux. Je vais venir tamponner avec du papier essuie-tout. Vous pouvez prendre un coton ou autre. Je rajoute encore un peu de faux sang que je vais rapprocher un peu de la bouche vu que c'est fait avec des produits comestibles. Et nous passons à l'autre joue. Cette fois-ci, je vais essayer de couper directement avec la cuillère. N'hésite pas à tirer un peu sur la pâte pour avoir l'effet plaie ouverte. Je trouve que le résultat est beaucoup mieux en faisant avec la petite cuillère. Je viens de nouveau tamponner. Maquillage terminé. Je m'attendais à un résultat pire que ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Voici le résultat final. Si vous avez aimé ce maquillage, n'hésitez pas de le dire en commentaire et de lâcher plein de pouces bleus. À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, les minets.